propose de faire un petit plan de ce qui est prévu ce soir et après faire un petit tour de présentation. Donc, ce soir était prévu normalement le meet-up trimestriel, à minima trimestriel, de côté du groupe Marseille, que l'on fait tous les 3 mois. Et donc là, ben, on le fait en mode en ligne et au moins ouvert à tout le monde. Pour ce soir, donc on a prévu 2 présentations. J'avais pas mal de sujets en stock, donc ben, je les ai proposés. C'est parti. Donc le sujet d'actualité, c'est comment préparer son module à Drupal 9, puisque demain sort Drupal 9.0.0. Puis un petit retour d'expérience sur un sujet que j'ai traité bah le mois dernier, un petit peu par rapport à sur mon site, qui est expérimenté sur mon site perso, que sont les headers de sécurité appliqués à Drupal, comment mettre en place ces headers, on va le voir après. Et toujours pareil, entrecoupé de questions-réponses et discussions informelles. Et si vous avez, s'il reste du temps, ou que vous avez envie de parler d'autre chose ou quoi, on verra comment ça se fait d'habitude, les meet-up. Alors, je sais pas pour vous, là, il y a beaucoup de représentants de Montpellier. D'ailleurs, c'est un Lille, 2 Marseille et 3 Montpellier en fait. Du coup, je ne sais pas comment vous faites dans vos autres villes respectives, mais à Marseille, on a l'habitude que les meet-ups durent en général 3 voire 4 heures quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions à dire et qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps et que voilà. Je sais pas pour vous, mais voilà. Là, on a prévu ce soir un meet-up qui dure à peu près entre 1 heure et 2 heures selon les discussions et autres. Voilà. Petite précision également, je n'ai pas eu le temps de préparer de support, donc ce sera bah, via l'enregistrement que je montre des onglets dans le navigateur, différentes pages, ça va être ça le support. Donc le tour de table, je commence. Donc qui suis-je? Florent Torregrosa, donc contributeur drupalien depuis à minima 7 ans et 6 mois. Mais un petit peu plus, j'avais pas encore créé mon compte Drupal.org. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je suis tech expert chez Smile, qui d'habitude nous accueille, mais là, bah, ce soir, ça sert à rien. Donc j'ai fait partie de l'association Drupal France en tant que secrétaire, vice-secrétaire. Là, je suis membre, j'ai beaucoup aidé sur le site internet, j'ai fait des traductions, des patchs, des modules, co-organiser des événements, participer à des événements, bref, je m'intéresse à tout ce qui touche à Drupal, plus ou moins selon les trucs, mais voilà, tout ce qui touche de près ou de loin à Drupal m'intéresse. Et donc voilà, pour la présentation. Je laisse peut-être une personne suivante se présenter, si vous voulez. À moins que vous pensiez que le format meet-up en ligne, ça sert à rien de se présenter et qu'on passe directement aux présentations, comme vous voulez. Qui est la personne suivante? Bah, du coup, moi je vais me présenter. Personne ne se présente. Alors moi je m'appelle Inès, je suis vice-président de l'association Drupal. Depuis pas très longtemps, j'habite à Lille et je travaille également chez Smile sur Drupal. Voilà. Qui a envie de se présenter? Comme ça, on va finir avec le bureau, mon plan du bureau. Donc Julien, donc je suis trésorier de l'association Drupal France et Francophonie depuis cette année, et je commence tout juste en fait je commence tout juste. Ça fait un petit bout de temps que je m'intéresse au CMS Drupal, et donc depuis que j'ai acquis le poste de développeur dans ma nouvelle boîte, je pousse la technologie, je pousse cette techno en avant pour tout ce qui va être tout ce qui va être en fait production de sites pour les clients avec des besoins de création de contenu. Donc voilà, on va dire que je n'ai pas un CV drupaliste aussi étendu que Florian, le Florent. Mais je travaille. Bravo. Une personne plus grosse.
Non, c'est parce que tu partages. Allez, c'est Lou. Allez, c'est Lou. Oui. Je désigne comme ça, sinon. C'est Lou. Alors, moi, je m'appelle Sénou Diallo. Donc, je suis à Montpellier. Je suis dans le groupe local Drupal à Montpellier depuis 2014-2015. Et donc, j'ai quand même participé à beaucoup d'événements dans le Drupal Camp sur Montpellier et les Drupal Dev Days. Donc, c'est là où j'ai connu un peu du monde de la communauté Drupal. Donc, actuellement, j'avais commencé chez Smile il n'y a pas longtemps, mais j'ai démissionné. J'ai démissionné juste avant le confinement et voilà, je n'ai pas envie de revenir un peu sur les raisons de cette démission. Actuellement, je travaille avec une agence web ici sur Montpellier en tant que développeur Drupal. Voilà, donc je suis dans la communauté Drupal Montpellier. Ok, merci beaucoup. Alors David, vas-y, je désigne comme ça au moins. David, développeur Drupal aussi depuis pas mal de temps, contributeur, organiseur. Je fais partie des organiseurs locaux avec Célou et Philippe. On est responsable de l'organisation du meet-up sur Montpellier. Je travaille pour une société britannique spécialisée dans le Drupal et je suis 100% virtualisé. Ok. Lalou Ben Ghezal, c'est ça, comme ça. C'est ça. Merci. Okay. Bonjour, Lalou Ben Ghezal. Donc moi je suis nouveau débarqué. Donc j'ai côtoyé le groupe Drupal Paris. Moi, je suis de Paris. Un groupe qui a démarré avant le problème de confinement. Et après, ils ne sont pas regroupés depuis. Et j'essaie de les retrouver. Et j'aimerais bien lancer dans la vulgarisation de groupe Drupal. Parce qu'avant, j'étais dans un groupe WordPress, parce que j'ai travaillé sur des projets WordPress. Maintenant, j'ai un emploi depuis une année en Drupal. Donc, je voulais de me spécialiser et de se perfectionner en Drupal. Donc, je suis maintenant drupalien. OK. Merci pour la présentation. Bienvenue. J'espère, d'ailleurs, au passage, ouais, j'espère si jamais je détaille pas ou quoi les sujets abordés ce soir, n'hésitez pas à me poser des questions. Merci. Alors vite, personne suivante, Bruno. Oui, alors moi je suis développeur web PHP autodidacte jusqu'en 2019 où j'ai obtenu un diplôme dans la branche. Je suis montpelliérain et j'ai un parcours un petit peu, on va dire, chaotique parce que mon profil autodidacte a eu du mal à être accepté par le marché à Montpellier, ce qui m'a obligé à monter à différentes reprises en région parisienne où là je peux travailler sans problème. D'ailleurs, mon dernier emploi est en région parisienne en fait. Je me suis adapté un petit peu à la demande. Aux demandes qui m'ont été faites, ça m'a amené à travailler avec des outils comme Zen Framework, Symfony, Drupal. À l'origine, c'était une demande de l'employeur, en l'occurrence l'AEFE, qui m'a amené vers Drupal. Donc j'ai travaillé avec Drupal 6, plus tard avec Drupal 7, après avoir fait une auto-formation à Drupal 7. Maintenant, j'ai fait une auto-formation à Drupal 8, mais je ne l'ai pas encore utilisé en production. Je suis un petit peu, du coup, je dirais, à la marge de la communauté Drupal. Donc, je participe au meet-up Drupal montpelliérain quand il y en a. Mais je ne suis pas vraiment, véritablement un membre actif de la communauté. J'aspire à le devenir, mais à ce stade, je suis un peu à la marge. Ok, voilà. Mais pas de problème. Il n'y a pas de souci. Bah, justement, c'est bien de me préciser justement que tu as fait des formations de Drupal 8, mais pas encore de mise en pratique, parce que voilà, sur certains points, il faudra que j'insiste ou que je n'aille pas trop vite dans ma présentation. Merci. Cédric, s'il te plaît, comme ça après je prends l'ordre alphabétique. Vas-y, Cédric. Ouais. Bonjour à tous, Cédric Albrecht. Du coup, moi, j'ai été pendant un petit moment là dans la communauté marseillaise. Je viens de Brest à l'origine.
Et là, je suis installé à Ajaccio. Voilà. Et je ne sais pas trop où je serai l'année prochaine. Sur l'île. je suis bloqué sur le caillou, là. Bon, et professionnellement, en fait, j'ai bossé en société de service. Et en 2010, je me suis lancé en freelance avec Drupal directement. Et depuis, je suis toujours dessus. Très content de la communauté et du produit. C'est vraiment un super truc. J'essaie de contribuer comme je peux. Il y a un an et demi, j'ai commencé un thème qui est encore dans une sandbox, qui est un thème starter. Et là, je suis dans la réflexion, soit de le faire évoluer, soit de carrément en refaire un nouveau, ou alors partir sur des thèmes qui sont existants et contribuer dessus. Voilà. Donc, si vous avez des suggestions, des discussions à lancer sur les thèmes, je suis preneur. Voilà. Ok. David, c'est bon. Julien, c'est fait. Là où c'est fait, mais il reste Pierre. Il reste que Pierre, il me semble. Oui. Alors de mon côté, la vie de famille a repris, donc j'ai peut-être du bruit et de fond. Désolé. Ah, pas de souci, Pierre. Bon, bonjour à tous. Je travaille chez Smile aussi, mais à Paris. Et donc je suis le responsable d'un grand compte. Mais je suis aussi un Drupalien, puisque ça fait maintenant 14 ans que c'est ma technologie principale. Et j'ai quelques contributions sur Drupal.org. Mon pseudo, c'est Peduro. Notamment un grand projet que j'ai démarré qui s'appelle UI Suite. Voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à me contacter directement. Je pourrai vous en dire plus. Pierre Miro, tac. Oui, tu me dis 13 sur un prochain meet-up. Avec grand plaisir. Ah, il y a des chances. Alors, pour préparer son module à Drupal 9, donc j'ai fait une petite trame quand même de la présentation. On va commencer par un petit rappel sur la différence Drupal 8, Drupal 9. Après, on va s'intéresser au fichier .info des modules et thèmes. On va parler de semantic versioning également, de composer, enfin de fichier composer JSON. Et après, on va voir voilà comment mettre à jour ses modules, soit pour du code spécifique à un projet, ou bien pour les gens qui contribuent, ou qui ont des modules, ou qui veulent patcher des modules. Quelle est la stratégie pour quelles sont les stratégies possibles? En fait, c'est ça qui est problématique, surtout, c'est qu'il y a plein de stratégies possibles pour les modules communautaires. Et enfin, quels sont les outils pour aider à cette préparation? Et après, on va faire une petite mise en pratique. Là, je vais normalement pour ce soir, les onglets, je dois les faire de gauche à droite. Il y a tout qui est prêt. Ça devrait être nickel. Donc là-dessus, je vais partir du rappel entre Drupal 8 et Drupal 9. Quelle est la différence? Donc il y a beaucoup de présentations que vous pouvez facilement trouver sur YouTube. Vous pouvez taper DrupalCon ou DrupalCamp ou autre. Entre tous les événements de Drupal, il y a beaucoup de présentations là-dessus. Beaucoup d'informations qui reviennent souvent, d'ailleurs. Si pour les gens qui veulent se renseigner en détail, je vous laisse regarder ça. Mais grosso modo, l'idée de ce passage à Drupal 9, c'est que Drupal 9, c'est Drupal 8 moins le code qui est marqué comme étant déprécié. Alors, pour éviter peut-être les confusions au niveau du micro ou quoi, si jamais vous avez des questions, peut-être les poser par chat. Merci. Juste une petite précision technique. Si jamais je parle d'un terme que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le poser la question. Donc, du code déprécié, chose nouvelle avec Drupal 8, l'utilisation de Symfony ou autre, c'est que il y a eu la mise en place également d'un système de dépréciation de code. Pour dire, cette fonction là, maintenant, cette méthode, on ne doit plus s'en servir, à la place, il faut utiliser telle autre méthode ou tel objet ou autre. Mais du coup, dans une prochaine version, le code déprécié sera supprimé. Ça permet justement de plus être comme dans un Drupal 7, d'avoir une base qui n'évolue pas. Ça permet d'évoluer en supprimant du code et du coup,
en le modifiant tout en permettant des suppressions et pas une accumulation indéfinitive de code qui ne sert plus à rien. Donc Drupal 9, c'est Drupal 8 moins le code déprécié. Mais également, une grosse différence entre Drupal 8 et Drupal 9, c'est le passage de Symfony 3 à Symfony 4. D'ailleurs, les passages de versions majeures de Drupal, Drupal 8, Drupal 9, Drupal 10, etc., seront désormais rythmés par les montées de versions majeures de Symfony. Donc ça, c'est pour un petit rappel, un petit situer le contexte. Comment Drupal, jusqu'à présent, il indique dans ses modules, dans ses thèmes, la compatibilité. Alors, Drupal 8 utilise des fichiers en .info.yaml, donc l'équivalent des .info en Drupal 7. Et de la même manière qu'en Drupal 7, il y a une information qui s'appelle core à l'intérieur, qui indique la compatibilité avec quelle version du noyau compatible. Jusqu'à présent, ben forcément, tous les modules de Drupal 7, c'est Core 7.x. Tous les modules de Drupal 8, c'est Core 8.x. Sauf que du coup, théoriquement, en fait, avec le code orienté objet ou autre, et le fait que Drupal 9, c'est la même chose que Drupal 8 moins le code déprécié, rien n'empêche désormais qu'un module Drupal 8 soit utilisable avec le même code, sans aucune modification, sur un site en Drupal 9. Donc c'est pour ça que cette déclaration et cette détection de compatibilité des modules a évolué et est toujours en train d'évoluer. Là, on est plus dans une phase transitoire, je pense. On est vraiment, je pense, à une période un peu charnière dans l'histoire de la gestion des versions dans Drupal, puisqu'il y a plein de choses qui arrivent en même temps et c'est compliqué. Du coup, d'où le fait que ce soit aussi, compliqué pour les gens qui ont peu de temps de suivre tout cela, qui se sentent perdus. Donc désormais, on peut voir dans un change record, donc les change records, pour l'explication, ce sont des petites notices dans lesquelles, lorsqu'il y a des changements majeurs ou importants, dire avant on faisait comme ça, maintenant il faut faire comme ça. Ça explique justement, ça permet de suivre, sans nécessairement avoir à parcourir des patchs, à parcourir du code, ça permet de suivre des évolutions. Donc, avant, il y avait juste la clé core dans les points info. Désormais, depuis la version 8.7.7, c'est possible d'avoir une nouvelle clé qui s'appelle core version requirement. Est-ce que au niveau de l'enregistrement, c'est assez visible ou est-ce qu'il faut que je zoome sur la page? Non, je pense que c'est assez visible. Je sais pas ce que... Non, c'est bien. C'est bien ? Ok, ça marche. Je suis juste en zoom par défaut. Donc, une core version requirement qui permet de préciser plusieurs versions potentiellement majeures du noyau auquel le module est compatible. Du coup, pour rester compatible avec des versions inférieures à 8.7.7, il faut préserver également quand même la clé core de .8.x. Mais du coup, ça veut dire que les modules à partir de la 8.8 sûr et certain, ils peuvent se passer de la clé core 8.x et uniquement mettre une condition de dépendance de cette manière-là. Au passage, il est également précisé que dans ce change record que désormais les modules qui servent uniquement aux tests n'ont même plus besoin de préciser que ce soit ni l'un ni l'autre, core ou core version requirement. Dans les modules de test, il n'y a plus besoin de préciser les deux. On peut voir également qu'il y a des mentions par rapport à des fichiers composer.json. C'est vrai que certains modules ont des fichiers composer.json pour préciser également leur dépendance. Et c'est là où je rejoins l'idée qu'on est en une période charnière, c'est que il y a un peu les deux, c'est-à-dire qu'il faut à la fois, c'est pas obligé d'avoir un composer.json, mais Drupal.org expose ce qui s'appelle une façade, une interface pour justement générer automatiquement des métadonnées avec des composer.json à la volée pour les modules communautaires, modules et thèmes communautaires, si jamais ils n'ont pas de fichier composer.json. Et c'est là où ça peut beaucoup porter à confusion, parce que du coup, il faut à la fois indiquer les conditions dans le .info, mais également potentiellement dans le composer.json ou autre. C'est pour ça que je pense qu'on est vraiment dans une période de transition, et j'espère
que ce sera uniformisé sur le fait que, par exemple, des données qui sont un peu redondantes entre les fichiers .info et les fichiers composer.json, tels que le name, le type, la description, la version du noyau sur laquelle que le module a besoin pour fonctionner, tout ça, ça se retrouve dans le fichier composer.json. Pour certaines métadonnées, comme par exemple dans les .info, il est possible d'indiquer... il est possible d'indiquer quoi ? Une route pour dire, ben voilà, le module se configure à tel endroit ou des trucs comme ça. Ou bien surtout dans les thèmes, dans les points info des thèmes, on déclare également les régions des thèmes, des librairies rajoutées systématiquement sur toutes les pages web. Pour les thèmes, je pense que ça va être un peu plus, enfin, pas compliqué, mais que le point info, voilà, contient encore beaucoup plus d'informations. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir encore de l'évolution à ce niveau-là. Depreciation, le point info et le semantic versioning. En plus de ça, donc vous voyez que par exemple le change record pour le core version requirement, il date de fin août 2019. Ok, bon, bah jusqu'à à ce moment-là, j'ai envie de dire tout le monde s'en foutait. Et maintenant que Drupal 9 arrive, bah c'est tout le monde se rue là-dessus. Et ben voilà, fin mars 2020, donc c'était il y a avril-mai, donc il y a 2 mois. Il y a l'annonce que également désormais les modules ils peuvent suivre ce qu'on appelle le semantic versioning. Donc le semantic versioning, c'est d'avoir des versions non pas en 7.x-1.x, 7.x-2.0.0 alpha 1 ou des trucs comme ça. C'est d'avoir la même chose que le noyau Drupal 8 a adopté dès le début, une version majeure, une version mineure et des versions de patch. Version majeure, ben, on casse des rétrocompatibilités. Version mineure, c'est juste de l'ajout de fonctionnalités. Version patch, c'est que du correctif. Mais là, maintenant, désormais, même les modules communautaires peuvent utiliser cette convention-là. Donc, il y a un peu tout qui se mélange et qui arrive en même temps, donc c'est un peu compliqué. Donc, le futur du fichier composer.json, voilà, je l'ai évoqué. Donc, j'espère qu'il va y avoir une standardisation à ce niveau-là, ne serait-ce que pour l'ouverture, je pense, sur vers d'autres communautés ou autres, je pense. Hop, ça c'est fait. Donc là, les vidéos YouTube, bon, pour les gens qui ont vraiment envie de voir en détail ou autre, l'état de Drupal 9, machin, qu'est-ce qui se passe ou autre, c'est très, très, très détaillé. Même s'il reste encore des points d'ambivalence, parce que c'est bien, on peut indiquer à des modules Drupal d'être compatibles avec plusieurs versions du noyau. C'est bien, on peut utiliser le semantic versioning, mais ben, que faire en fait? Est-ce que je dois dire, ben voilà, mon module, il reste sur une seule branche, il reste sur une seule branche et quand Drupal 9 va sortir, ben, ce sera Drupal 8, ce sera équivalent à Drupal 8.9 moins le code déprécié. Mais du coup, si j'ai une branche, si je garde qu'une seule version de mon module compatible avec les deux, le jour où Drupal 9 va ajouter une fonctionnalité qui ne sera pas dans Drupal 8, du coup, et que mon module va en avoir besoin, ben, je vais être bloqué. Donc pour ça, moi, je serais plus dans l'idée d'avoir une branche compatible Drupal 9, une branche Drupal 8. Voilà, après c'est compliqué parce que c'est je parle en termes de module communautaire, c'est de la maintenance, entre guillemets, maintenance en plus, parce que s'il y a un bug, bon, en général, ça se voit vite aussi, ça peut vite se voir si le bug, il est dans la version Drupal 8, puis dans Drupal 9 ou pas, bref. Mais bon, c'est toujours du travail de maintenance en plus. Est-ce que ça va? Est-ce que j'endors personne? Le rythme? Pardon, petit point pour voir si tout va bien. Nickel. Ok, merci. Donc là, par exemple, voilà, on pouvait voir que même sans parler de Drupal 9, il y avait certains modules comme Migrate Tools, où à chaque fois que Drupal 8 sortait une nouvelle version mineure, donc 8.1, 8.2 ou quoi, passé un moment, ben, il sortait une nouvelle branche pour être resté raccord avec. Puis après, bon, on voit qu'ils se sont arrêtés parce qu'ils se sont dit, bon, c'est bon, en fait, ça sert à rien. Et voilà, finalement, eux, ils ont fait le choix de ben, 8.x-4 et quelques, ça reste Drupal 8. Et la 8.5.x, c'est compatible Drupal 9. Bon, là, on voit qu'il y a aussi la compatibilité 8.9. Bon, à voir. Là, on est bon. Donc, si jamais vous voyez les vidéos traitant du sujet de comment préparer son module pour Drupal 9, le point, on va dire, simple, ça va être concernant votre
vos développements spécifiques sur vos projets. En fait, les développements spécifiques, le code qui est déprécié, il peut être retiré immédiatement puisque vous pilotez la version du noyau, vous pilotez la version des modules communautaires que vous utilisez. Pour les modules communautaires, c'est plus compliqué car, admettons qu'on soit en Drupal 8.8, il y a un bout de code qui a été démarqué comme déprécié en Drupal 8.8, mais parce qu'il y a une alternative, une nouvelle façon de faire en Drupal 8.8, mais cette nouvelle façon de faire n'existe pas encore en Drupal 8.7. Mais Drupal 8.7 est encore maintenu, en tout cas un minima pour la sécurité. Du coup, le module, il peut pas utiliser encore, tout dépend sa gestion des branches, s'il veut sortir plusieurs versions ou pas. Mais le module ne peut pas utiliser cette nouvelle méthode pour enlever le code déprécié. Car sinon, les gens qui sont encore sur Drupal 8.7, ils pourraient pas mettre à jour le module. Donc voilà, c'est ça qui est un peu compliqué. Pardon. C'est ça qui est un peu compliqué que des fois, lorsque vous maintenez un module, il y a beaucoup de personnes qui, par ces moments, je ne sais pas si ce sont des robots ou pas, mais bon, c'est pas le sujet ce soir, qui parcourent les modules et créent des issues et quasiment que ça, des issues de ce type-là, pour dire là il y a du code déprécié, voici le patch, machin. Alors c'est bien, mais il faut pas se prendre, faut quand même pas trop surréagir et dire ah c'est bon, ça passe, je commit, machin, parce que du coup ça peut être casser une rétrocompatibilité avec des personnes qui ne sont pas avec la vraiment dernière version de Drupal, quoi. Voilà, donc ça, c'est faire attention. Au niveau des outils pour préparer votre montée de version, donc, j'ai plus en tête le premier commit, mais bon, on peut voir qu'il date de plus de initial commit, 16 mois, voilà, il y a un peu plus d'un an. Matt Glaman, grand contributeur, notamment avec Drupal Commerce, a créé un outil qui s'appelle Drupal Check, qui s'appuie sur PHP Stan, pour faire de l'analyse statique de code Drupal. Et en fait, automatiquement détecter, dire là votre code, il utilise des méthodes, des machins, il utilise quelque chose qui est déprécié. Mais toujours pareil, de la même manière qu'on dit, on est à une époque charnière, c'est que ça, tout récemment, ça a encore évolué, et qu'en fait, ça maintenant Drupal Check, c'est potentiellement même déprécié pour s'appuyer et dire que potentiellement il vaut mieux s'appuyer directement sur PHP Stan avec en contrôlant finement la manière dont c'est paramétré. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait des problèmes de packaging entre la version point .far, c'est-à-dire la version exécutable de la librairie, ou l'installer avec Composer ou autre. Il commençait à y avoir des problèmes de dépendance ou quoi, donc ça commence à être deprecated, ça a bien servi, ça peut encore servir même, le temps 2. Mais désormais, on passe à un nouveau truc qui s'appelle le module Upgrade Status, qui a vu, je pense, son développement boosté ces deux derniers mois. Il devait être au point mort avant, mais maintenant, ça a bien évolué. Donc là, c'est pas mal, c'est que sur le module Upgrade Status, on voit une comparaison entre les deux outils. Donc le seul intérêt, en fait, potentiellement de Drupal Check, c'est de pouvoir lancer le scan, l'analyse sur uniquement du code source et c'est tout, alors que le module Upgrade Status a besoin d'un site qui marche pour être activé dessus et être utilisable. Mais comme vous pouvez le voir, Upgrade Status, en fait, il scanne beaucoup plus de choses que Drupal Check. Donc finalement, moi personnellement, je l'ai commencé à l'intégrer dans mon template de projet Drupal et dans ma stack classique, quoi, désormais. Et on va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire? Le Gray Status. Donc là, le Gray Status, je vais le montrer. Et également, un autre outil qui est bien utile, c'est le module, c'est le site Perview qui, en fait, lance des commandes de PHP CodeSniffer, en fait, pour analyser votre code. Parce que c'est toujours bien de dégager respecter les coding standards, ne serait-ce que pour éviter que par exemple vous sortez une nouvelle version et puis que de suite après il y a quelqu'un qui ouvre une nouvelle issue, là il manque
Là, il y a un problème de coding standard parce qu'il manque un point virgule ou il y a un use que t'as oublié, qui est plus utilisé, que tu as oublié d'enlever ou un truc comme ça. Voilà, c'est un peu frustrant de se dire, ouais, ça y est, j'ai tout fait propre, machin, je sors une nouvelle version, pouf, il y a un petit problème. Aïe. Voilà, c'est juste pour éviter ça. Ah, quelqu'un, tac, message, il y a un module purview. Oui. En fait, le module purview, c'est la même chose que purview.sh, c'est juste que l'un permet d'être lancé en ligne ou quoi. Ça, donc voilà pour les outils. Et maintenant, je vais passer à la pratique. Donc, en pratique, je vais prendre ce module field formateur range, dont j'ai obtenu les droits ce week-end, car il n'était plus maintenu. Il n'était plus maintenu depuis plus d'un an, donc je vais passer les péripéties parce que l'ancien mainteneur a fait de la résistance, je n'ai pas compris pourquoi, bref, de mauvaise mentalité, première fois que je vois ça, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je l'ai un peu nettoyé, j'ai juste gardé pour la démo ce soir le fait de marquer le module compatible Drupal 9. Ok. Donc là, je suis sur un site dans un petit environnement Docker. Voilà, c'est ma sandbox qui me sert à tester différents les modules, les machins, les si, les mi. Une install Drupal profil standard toute fraîche, préparée dans la journée pour la démo de ce soir, avec juste des modules de développement et des modules qui me servent comme ça, des modules que je contribue chez Smile, parce que le module upgrade status, pour être sûr de scanner comme il faut votre module pour détecter du code déprécié, a besoin que votre module soit activé. Donc voilà pourquoi j'active systématiquement, c'est scripté, mais les différents modules contribués par Smile que je gère, bref. Où suis-je? Dans quelle étagère? Tac, ici, le admin, le upgrade status. Donc, le module upgrade status permet d'avoir dans rapport upgrade status un petit récapitulatif de tout ce qu'il y a. Donc, en plus, c'est pas mal parce que c'est organisé par projet custom, projet contribué, les trucs non installés. Non, franchement, c'est assez bien fait. Non, c'est très bien fait, pardon. Et donc là, voilà, j'ai lancé un scan sur le module field formateur range. On voit qu'il y a un warning, tac, on dit, ben voilà, dans le point info, il faudrait marquer qu'il soit compatible, patata, patati. Voilà, c'est fait. On va le faire. Voilà, il y a juste ça. Sinon, également, c'est là où je vais switcher en ligne de commande. En ligne de commande, en fait, ça donnerait ceci. Donc, rush, tac. Upgrade status analyze US-A, et là il y a pas mal d'options pour dire ben voilà, scanne-moi tous les fichiers, tous les modules contrib, tous les modules custom ou uniquement les trucs activés, pas activés. Bon, il y a pas mal de trucs. Sinon, juste je précise que je veux mon module, et là en plus il est intelligent, il sait qu'il va aller devoir le chercher dans la partie custom. Et donc voilà, il y a le résultat, dire ben là il manque juste. Il manque juste core version requirement dans le point info. Est-ce que je peux faire quelque chose rapidement pour montrer qu'admettons qu'est-ce qui se passe quand il y a du code déprécié? Admettons du code déprécié. Qu'est-ce qu'il y a comme code déprécié? Quoi? Allez, pas. Ouais. Bien vu. Allez, c'est parti. Drupal 7 message. Toto. Voilà. Là, si je fais ça et que je balance un coup de scan, normalement, voilà, il dit, ah, ici, tel fichier, telle ligne, il y a déclenchement de la fonction machin, elle est dépréciée depuis Drupal 8.5, pardon, et sera retirée en Drupal 9, pardon, j'articule, utilisez ça à la place, etc. De la même manière, en fait, c'est quand vous allez voir du code déprécié, à chaque fois, il y a le @deprecated qui sert à afficher ce genre de message, plus également le trigger error. Ok, donc là, ça se dégage. Voilà pour le truc. Code sniffer, donc là, pour le...
pour la démonstration, au niveau de mon paramétrage de PHP CodeSniffer, je scanne juste le module en question parce que j'ai des trucs un peu déprécated à droite à gauche dans d'autres modules. Donc affichage des warnings, juste je me base sur Drupal, Drupal Practice et un peu quelques autres règles supplémentaires. Voilà, c'est juste ça. Et donc là, même le core version requirement, on voit même qu'au niveau de PHP CodeSniffer, c'est un warning, mais voilà, il indique également. C'est tout. Bon, après, si vous voulez après augmenter la qualité ou augmenter les outils, vous pouvez envoyer 40 milliards de scans, PHP, MES Detector, PHP MD, quoi, ou d'autres, c'est comme vous voulez. Mais bon, voilà. Les trucs, on va dire, scanner, relever la plupart du temps dans les modules communautaires, c'est PHP CodeSniffer et Drupal Check. Voilà, c'est des trucs comme ça. Donc, c'est parti. Voilà, on a scanné le module. Et il suffit juste de l'ajouter le core version requirement. C'est ce qu'on va faire. Et pour cela, en fait, il y avait déjà quelqu'un qui a fait. Qui a déjà fait une issue. Tac. Voilà. Donc là, je lui dis OK, je m'en occupe. Juste, j'attends ce soir pour merger et montrer la démo en live. Donc voilà, il ajoute juste la clé qu'il faut, l'information qu'il faut. Alors par exemple, sur certains de mes modules, ou bien même certains modules Smile que je gère, j'ai forcé de retirer Core et de mettre à 8.8. De toute façon, voilà, Drupal 8.9 va sortir demain, ce qui fait que demain, Drupal 8.7 ne sera théoriquement plus supporté. Donc il y a bien un moment, les gens ils vont devoir se mettre à jour, quoi. Voilà, c'est après chacun sa méthode. Là, pour ce soir, c'est bon, je vais le laisser compatible 8, puisque quand j'ai repris le module, en fait, il y avait zéro deprecation. Donc ça devrait passer. Donc le patch, on est où? On est là, tac, ici, git st, git apply. Perdu, pourquoi il n'a pas. Le patch ne s'applique pas. Ah, ben voilà, bon, youpi, le patch ne s'applique pas, mais bon, ça va, c'est un patch d'une ligne, ça ne va pas être très compliqué. Hop, CTRL-C, ici, paf, paf. Donc là, ensuite, je fais un petit coup de script, parce qu'en fait, bon, ça c'est mes trucs perso. Quand j'ai un module que je veux cloner pour voir le code ou bien pour contribuer, faire des patchs, en fait, je le clone pas dans custom ou dans contrib pour pas risquer que Composer me l'écrase pour une quelconque raison. Donc à chaque fois j'ai un dossier contrib à la racine de ma sandbox dans lequel je git clone un peu tout. Et du coup, je me fais un script qui rsync les sources vers mon dossier app pour que si jamais j'ai besoin d'exécuter les sources, ça puisse se faire. Donc voilà, c'est juste ça. Donc là, c'est machiné. Et donc là, si je rescanne nouveau avec le module upgrade status, là il dit aucun problème trouvé. Et du coup, si je retourne en back office, paf, F5, il est là. Normalement, lui devrait être vert et on sonne à ma porte. Et donc lui, il est vert. Moi aussi, je suis vert, on sonne à ma porte. J'ai bientôt fini la présentation. En fait, j'ai fini la présentation. Le seul truc qui me reste, c'est à comité. Sinon, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Même là, maintenant. Moi, j'aurais une question, oui. Mais je vais attendre que Florent revienne. Ah. Bon, on peut peut-être te répondre. Mais oui, vas-y. Non, mais ça s'adresse un peu à lui aussi, quoi. Ah oui, d'accord. Je suis très étonné qu'il n'ait pas parlé de Rector et de Drupal Rector, en fait. C'est une bonne question, effectivement. Qui me paraissent des outils vraiment très intéressants pour traiter ce type de problématique. Comment t'as dit, Bruno ? Rector et Drupal Rector, qui est le module qui apporte une UI en fait à Rector. Sachant que Rector, il est plus large que Drupal, il est pour tout type de code PHP en fait. Hein. Et il est basé sur PHP Stan également. Mais ça apporte vraiment quelque chose de plus. On peut configurer les déprécations. On peut faire des jeux de Florent. Oui. Donc j'étais en train de je me posais la question, est-ce que tu as regardé Rector et Drupal Rector?
Alors ça, en effet, ça a été bien mis en avant récemment. Je n'ai pas encore utilisé Rector et Drupal Rector. D'ailleurs, je ne sais pas si Upgrade Status... En fait, je crois que Upgrade Status mentionne dans ses messages quand il analyse pour dire ben ça, cette erreur-là ou ce warning-là, il peut être corrigé automatiquement avec Rector ou Drupal Rector. Pour l'instant, j'ai jamais eu de gros besoin de faire ça. Par contre, ce qui est, je trouve top et que ça arrive enfin, c'est que ce soit automatisé sur Drupal.org avec des robots qui scannent automatiquement tous les modules communautaires pour proposer oui. automatiquement des patchs. Ça c'est pas mal. Donc voilà, c'est juste pour l'instant le seul retour que j'ai là-dessus. J'ai pas eu le besoin de tester Rector pour l'instant. Voilà. Moi, je l'ai regardé un peu en détail et ouais. c'est vraiment très intéressant, pas seulement D'accord. pour Drupal d'ailleurs. Ah. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ça fonctionne avec. C'est basé sur des règles en fait. Mm-hmm. C'est basé sur la définition de règles. Donc, il y a déjà des règles de déprécation qui existent pour toutes les versions de Drupal 8 à Drupal 9, en fait. Mm-hmm. Et on peut rajouter des règles custom. C'est assez facilement, on peut rajouter des règles custom pour traiter tout type de déprécation, en fait, automatiquement par la suite. Donc, c'est vraiment très bien. Et je pense que ça va prendre un gros essor, pas seulement dans l'écosystème Drupal, mais dans l'écosystème PHP plus largement. D'accord, parce que en soi, c'est un outil PHP ou c'est un outil genre, je sais pas, genre comme un truc genre à la Gulp qui s'appuie sur du Node.js ou quelque chose comme ça. Non, c'est un outil PHP. Purement c'est, PHP, d'accord. C'est basé sur PHP Stan. Ça bâtit en fait un arbre syntaxique abstrait et ça exécute les règles sur l'arbre syntaxique abstrait en fait. Hein, d'accord. Pour traiter le code. C'est intéressant. Merci parce que justement, comme pour l'instant, j'avais pas eu vraiment besoin, je m'étais pas penché plus que ça, et je sais pas pourquoi, peut-être parce que les premiers, je sais pas, peut-être que c'était une mise en forme d'un article ou quoi, m'avait laissé penser que c'était plus un outil avec du Node.js ou des machines comme ça, donc je me suis dit bon, je le laisse ça de côté, mais ok, d'accord. Alors juste avant la prochaine question, ah oui. Je voulais demander à Bruno éventuellement s'il pouvait nous partager après ta présentation peut-être un petit bout de recette pour qu'on voit ce que ça donne en fait, de règles. Si tu as un truc à partager, Bruno. Alors je peux plutôt vous orienter vers par exemple il y a une vidéo de Thomas. Ah ouais, un lien peut-être. Ouais. Comment il s'appelle Ah j'ai perdu son nom. Le créateur en fait de Rector. Qui présente justement la façon de configurer des règles. Donc, c'est une vidéo qui répond bien en fait à ta demande en fait. Okay. Je vais regarder, je vais vous donner l'URL de cette vidéo. Super, merci. Je l'ai dans un... okay. Alors, pendant qu'il y a les questions, Watt, je finis la présentation sur le fait de comité, pusher et de sortir une nouvelle version du module. Mais allez-y, ça occupe le temps des questions-réponses sur ce sujet. Moi, j'avais un truc à préciser, c'est que on peut upgrade status n'a pas forcément d'intérêt en production, à être activé en production. Du coup, c'est une variable qu'on peut, enfin, on peut l'exclure du CLI, en fait, de la configuration, ouais. avec dans ses settings locaux, donc sur le poste de développement, on peut mettre dans la variable config exclude module. On rajoute de upgrade status. Je ne sais pas si tout le monde utilise cette variable-là. Voilà. C'est assez pratique. Du coup, il est installé comme Devel et Kint. Moi, chez moi, c'est assez courant. Maintenant, je mets upgrade status aussi dans cette liste de variables. Comme ça, c'est installé qu'en local. Moi, j'utilise config split, qui fait à peu près le même principe, mais sur différents environnements. D'ailleurs, c'est toujours pas compatible avec la version dev de Drupal pour le moment. Pardon ça a changé, ça a peut-être changé depuis cet après-midi, mais c'est pas encore compatible config split avec DNF. Ah, ben en fait, c'est ça qui est embêtant, c'est qu'il y avait beaucoup de modules bien utilisés qui sont prêts, mais qui en fait attendent la sortie de Drupal 9 pour taguer une nouvelle version en fait. Par exemple, c'est pour ça que assez récemment, ces 2-3 dernières semaines. J'ai commencé à récupérer pas mal de petits modules, je sais pas, Devel PHP, Devel Accessibility, RenderViz, ben là, Field Formateur, enfin, il commence à y avoir, c'est là, avec le passage de Drupal 9, qu'on détecte vite
tous les modules qui sont laissés à l'abandon, parce que là, c'est vraiment, il faut absolument patcher le, et que ce soit comité pour pouvoir utiliser le module Drupal 9. Donc, j'ai fait pas mal de demandes sur beaucoup de modules de développement, en fait, qui servent d'outils de développement, parce que, ils font partie de ma stack et je veux pouvoir continuer à m'en servir en Drupal 9. Ça, c'est fait. Allez-y, continue à parler. Même avec Divel. Pareil, qui était toujours pas compatible. Ouais. Il y en a plein. Il n'y a pas une branche de Devel qui est censée être compatible? Je crois pas, non. Je crois que j'ai regardé justement et j'ai pas trouvé. On va voir ça vite. Non, je crois qu'il... Merde. J'ai regardé tellement de modules cet après-midi pour ma migration que... Eh ouais, il est pas. Non. Blabla, move, en plus. Avec son regarde dans le browser parce que des fois, ça peut être une branche qui n'est pas forcément affichée. Ouais. Aussi. Alors, attends, file format orange, machin, bidule, hop. Hop. Add new release. Hop, comme ça, on voit si ça intéresse quelqu'un, comment on fait une nouvelle version. Bug fix, new features. Drupal 9 ready. Ready, yeah. Blablabla. Hop, save. Youpi. Tac, 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 tac. On est bon. Voilà. Bon, ça c'est fait. Premier sujet traité. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que vous voulez faire une petite pause ou quoi? Le temps d'aborder l'autre sujet, pardon, il y a plein de messages, je vais voir ça. Alors, j'ai posté l'URL de la vidéo de Thomas Votrouba, là, le créateur de Rector, hein, qui présente la création de règles, en fait, l'utilisation et la création de règles de conversion de déprécation. Cool. Ouais. Sur le chat. Merci Bruno. Moi, je voulais juste demander, en fait, comme beaucoup de modules ne sont pas encore portés en D9, à quel moment, en fait, il faut décider de vraiment migrer son site en D9? Est-ce qu'il n'est pas peut-être nécessaire d'attendre un peu d'abord pour que plusieurs modules soient portés, ou bien peut-être c'est peut-être par rapport à chaque projet? À chaque projet, je ne sais pas, peut-être il faut attendre un peu, non? Alors, juste j'ai une réponse, après les autres aussi, sans doute, d'autres points de vue. Si tu veux, j'ai commencé à m'intéresser à préparer ce module pour Drupal 9 parce que j'avais fait, pendant le confinement, je me suis fait un module, enfin un fork plus exactement. Pareil, c'est un sujet que je pourrais présenter une autre fois. Dans lequel j'ai sorti, je l'ai marqué, comme il était tout neuf, le module, je le marque également de suite, compatible Drupal 9, machin, et je sais qu'il n'y a pas de code déprécié dedans, hop. Et puis paf, je sors une version, et en plus, sémantique versionning, trop content et tout, le nouveau système. Et puis paf, il y a quelqu'un qui fait, ah, il y a du code déprécié. Je fais quoi? C'est pas possible, je l'ai vérifié et tout. Et en fait, le mec, il a scanné le code. Avec un noyau en Drupal 9 en fait, parce que oui, le truc qu'il y a, c'est que ces outils Drupal Check et Drupal Upgrade Status, quand ils scannent du code déprécié, ils le scannent par rapport à l'état actuel sur votre environnement du noyau Drupal et des autres modules communautaires, ce qui fait que mon module il était raccord par rapport à Drupal 8, et par rapport à Drupal 9 il commençait déjà à y avoir des bouts de code marqués comme dépréciés. Déjà je fais bon, ok. J'ai répondu, je fais merci. Je l'ai marqué l'issue en postpone, autrement dit l'équivalent de en attente, pour dire ok, merci, mais bon, là c'est bon, Drupal 9 est même pas encore sorti. J'ai pas envie de maintenir deux branches séparées ou quoi, peut-être après, donc pour l'instant ça va attendre quoi. Voilà, il y en a, ils sont à l'affût. Dès qu'il y a un truc qui sort, bam, c'est scan, des codes dépréciés, je fais le patch et tout quoi. Ça va, c'est du code déprécié, on se calme, c'est pas la fin du monde quoi.
Et du coup, pour répondre à ta question, et c'est là où quand du coup la personne m'a fait le patch que je ne comprenais pas, et c'est là où pour la première fois j'ai testé Drupal 9 et que j'ai vu qu'il y avait par exemple plein de modules qui servent même de modules de développement de ma stack qui n'étaient pas compatibles de Drupal 9. Et là, je me suis dit, ah ouais, il faut s'y mettre, quoi. Donc, en effet, initialement, je comptais laisser passer la vague. Tu peux laisser passer la vague aussi, mais c'est un peu, enfin, je sais pas. C'est un peu comme avec la sortie de Drupal 8. Est-ce que tu as envie d'être un pionnier et d'être au taquet sur le truc en mode, ça y est, Drupal 9 est même pas encore sorti, qu'on a notre site en Drupal 9 00 RC, quelque chose, ou bêta, machin. Ou est-ce que tu veux attendre que, parce que ben voilà, t'as pas le temps et ni l'envie de te farcir le fait que ben, tel mainteneur il soit inactif depuis X mois ou X années et que ben, pour l'instant personne n'a repris le code, et voilà quoi. Tout dépend de ta volonté ou autre, et potentiellement également la volonté de ton ou tes clients également. Si d'autres personnes veulent partager leur point de vue, ce n'est que mon point de vue. Ouais, c'est vrai. De mon côté, je vais attendre un peu, je pense. Ouais, voilà. Mais légèrement, quoi. Tu vois, pas trop non plus. Parce voilà, qu'après... c'est ça. Pas ouais. Trop. Alors, j'ai à peu près le même point de vue que Florent. Sauf que, personnellement, moi, j'ai migré cet après-midi. Pas voulu attendre. Enfin, j'ai commencé vendredi et j'ai terminé aujourd'hui. Mais avec beaucoup de problèmes que tu... Je vais y arriver. Ouais, vas-y, bon coup. Même que tu disais tout à l'heure avec des modules qui ne sont pas compatibles, notamment Core Compatibility. En plus de ça, tu ne peux pas patcher dans le composer JSON parce que le composer fait un check avant le patch. Donc, du coup, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Enfin, c'est un peu galère, mais on y arrive. Si on devait me poser la question en termes pro, moi j'attendrai un petit peu et je regarderai un petit peu de temps en temps les modules qui sont importants pour le client, et s'il n'y a pas une mise à jour de fait, dans ce cas-là je fais un patch et au pire on essaye de récupérer le module. Mais c'est après, il y a toujours la possibilité aussi de faire un dépôt VCS en attendant. Ou de copier un module dans le custom et d'appliquer le patch. Ce qui n'est pas génial, mais en attendant, on peut faire comme ça. Oui, j'allais dire, moi j'attends, mais c'est vrai que j'installe sur mes projets Upgrade Status parce que ça permet de savoir en fait quels modules sont vraiment bloquants dans l'installation. Et du coup, tu peux les surveiller vraiment spécifiquement, quoi. Effectivement, je peux utiliser Upgrade Status. J'ai voulu l'installer sur ma D9 il y a quelques semaines. En bêta 2, mais j'ai pas le fait installer. Je laissais tomber. Attends, tu l'installes sur le D9, toi? Ouais, j'ai voulu l'installer sur le D9. 3 la pointe de la technologie, Inès. Du coup, le contributeur de Restatus dit que ça sert à rien de mettre sur le D9. Gabor? C'est quoi, Gabor? J'ai pas entendu. Je sais pas, Pierre a dit le contributeur de Restatus, je suppose Gabor. Ah oui, d'abord, oui. Je sais pas si c'est marqué sur la page du projet. C'est marqué sur la page, en bas. Il dit sur la partie... Attends. Plus bas. Je suis tout en bas, là. Sur Drupal 9, is plant, là. Works on Drupal 9, mais il n'y a pas de... Ah oui, voilà. Ouais, bien vu, la petite phrase, ouais. Et en fait, toujours d'après dans le contexte, en effet, client, projet, tout ça, je sais pas si, pour moi, c'est si le client a envie d'être, envie de dire à la pointe et tout, ou quoi, et que il a le budget pourquoi pas partir sur de Drupal 9, même si pour l'instant, j'en ai pas vu, et sinon, conseiller peut-être au client d'attendre un petit peu, à moins qu'il veuille déjà migrer sur Drupal 9, mais dans ce cas-là, il faut prévoir du budget de maintenance ou des trucs comme ça, quoi. Faut pas... Ça risque d'être plus compliqué qu'une simple passage Drupal 7, Drupal 8.7, Drupal 8, quoi. Bref. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, remarque. Ce que je voulais dire aussi pour finir, c'est que c'est pas... Il y a quand même une différence entre le passage Drupal 8, le Drupal 7 vers Drupal 8
que Drupalite vers Drupal 9. Ah oui, c'est dans sûr. Tous les cas, s'il y a un nouveau projet aujourd'hui, il peut très bien commencer sur Drupal 8.8 et migrer vers Drupal 9 avec un simple composer update. Mmh. Une fois que les modules seront bien stabilisés. Ah, mais de toute façon, c'est sûr que c'est par rapport au passage Drupal 7, Drupal 8, il n'y a pas photo. En 5 ans, il y a eu un pas en avant monstrueux quoi, là-dessus. Non, mais complètement. Il n'y a pas photo. Mais on pouvait se poser la question. Aujourd'hui, on peut se dire, partez sur Drupal 8.8 et au fur et à mesure, on évoluera sur Drupal 9 en termes de TMA une fois que tout sera stable. Voilà. Ouais. Pierre, tu as une remarque ? Oui, ou alors Drupal 8.9, ça sort demain. Et oui, Drupal 8.9, oui. Ou la version, dernière version de Drupal 8. Voilà. Donc, les aides de sécurité en Drupal. Donc, ben voilà, j'ai fait avec le confinement ou quoi, j'étais pas mal de congés, j'ai pu même pas avancer. Dans différents domaines, que ce soit Drupal, GitLab CI ou autre. Et là, en fait, j'étais en plein chantier et j'ai vu passer un tweet. Enfin, j'ai vu passer d'abord le tweet de Driz, sur lequel il disait qu'il a sur son site, il a mis en place une espèce d'analyseur d'entête HTTP. Donc je lui dis, bah ben, voilà, je vais scanner mon site. Bon, là, on ne le voit pas, mais il y avait différents soucis ou autre. Bon, là, il reste des notices, mais bon, je m'en fous un peu. Il y a un missing, mais bon, je l'ignore. Je fais OK, putain, bon, OK. Il y a des petites alertes, des machins améliorés. Je fais bon, OK, c'est pas dramatique. Ça aura des choses à faire, à peaufiner plus tard, mais c'est pas dramatique. Puis après, je me dis aussi, bon, OK, c'est Driz, machin. Mais bon, c'est son truc à lui. Bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'il soit pris en compte ? Et puis là, il y a Philippe qui réagit, qui dit, hey, en plus, il y a le truc observatory.mozilla.org. Là, je fais, merde, je vais scanner. Et là, je vois, donc là, on ne le voit plus maintenant, et l'historique, le 14 mai, oui, ben, c'est 14 mai ou des trucs comme ça. Voilà, le 14 mai, je me suis pris un score de 40 et tout, parce qu'il y avait différents points qui ne passaient pas. Là, je fais, merde, je pensais que le HTTPS, ça suffisait largement. Mais en fait, si on veut pousser plus loin la sécurité ou quoi, il y a d'autres choses à gérer. Donc, ben, c'est parti. C'est là où je... Je me dis, ben, allez, je vais traiter ça, comme ça c'est fait. Puis j'améliore, si je peux au passage, j'améliore ma stack, mon template projet pour que ce soit pris en compte automatiquement partout ou autre, et c'est pas. Donc, les problèmes qu'il y avait, donc le Content Security Policy, que je vais voir en dernier parce que c'est le plus chiant. D'ailleurs, il passe pas, mais il passera pas. On va voir pourquoi. Le HTTP Strict Transport Policy, c'est un header qui force à l'utilisation du protocole HTTPS. Même si votre site peut être servi à la fois en HTTP et HTTPS. Donc mon site était déjà, il y avait déjà la redirection HTTPS, mais là c'est un truc en plus pour dire au navigateur, si jamais il y a un truc, une ressource qui n'a même pas cette redirection HTTP HTTPS, ne t'en sers pas. Voilà. Le X-Content Type Options, alors lui il fait quoi, je ne sais plus. Il sert à quoi, je ne sais plus. Ah oui, pour pas que le navigateur essaie de détecter le MIMSIP de certaines ressources qu'il télécharge et que potentiellement il y ait que quelqu'un de malveillant fasse croire que ce soit un fichier, je sais pas, CSS, alors que derrière ça va être un truc d'injection ou quoi que ce soit. Il y avait quoi d'autre? Le XXSS protection, un truc pour ici, pour bloquer encore plus pour renforcer encore plus la sécurité dans le navigateur. Bref, après il y en a tellement de headers que je vous laisse regarder à chaque fois la documentation associée à chacun, c'est bien fait, c'est fait pour, voilà. Donc il y en a des faciles, donc le HTTP Strict Transport Policy et XSS Protection, bah, dans ma configuration Apache j'avais juste à rajouter ça pour activer les deux. Ça marche très bien, hop, ça passe. Le X Content Type Options, là en fait, si on va voir d'ailleurs, si on va voir ben, là maintenant, qu'est-ce que le fuck, je ne sais pas. Network, on va rafraîchir la page, on va voir doc, on va voir le bidule. En fait, le X Content Type Options, il y est à nos sniffs, mais il y est deux fois.
Et le problème, c'est qu'il y ait deux fois. Pourquoi ? Alors, il y a déjà des issues dans le noyau Drupal. Il y a deux fois parce qu'il y a un bout de code du noyau qui la rajoute de manière systématique via des event subscribers, la gestion des événements en Drupal 8, en Symfony plus généralement. Mais il y a également une directive dans le point htaccess de Drupal. Alors, on est où ? Si je prends le point htaccess, tout en bas, ici, il y est. Donc il est rajouté deux fois, un coup par Apache et un coup par on va dire l'applicatif. Donc alors c'est pas compliqué à résoudre, il suffirait de limite par le dernier élément de votre stack. Donc votre ici serait théoriquement soit Apache, soit je pourrais le faire au niveau de Darnish, soit je pourrais le faire au niveau du reverse proxy HTTPS Nginx, pour dire ben le header tu me le dégages et tu mets qu'une seule valeur, celle que je t'indique, comme ça au moins je suis sûr qu'elle y est qu'une fois, et puis le truc est résolu. Mais après, je me dis, ah, c'est bon, c'est pas non plus dramatique. Je vais attendre que ce soit résolu. Oups. Que ce soit résolu dans le noyau Drupal. Et maintenant, le Content Security Policy, le plus chiant. Ah merde, pardon, c'est pour ça que j'avais fait un tab. Donc, le truc qui dit, ça permet de faire quoi ? Ça permet de dire, ben voilà, pour chaque... alors, est-ce que c'est détaillé ici ? C'est détaillé où ? Je ne sais plus. Heureusement, j'ai regardé le lien en bas de mon article. Blabla, développeur Mozilla, voilà. C'est que, voilà, c'est ici, il y a plein de directives, ici, à l'intérieur de ce header, qui peuvent être utilisées. Et en gros, à chaque fois, c'est pour dire, ben voilà, par exemple, les iframes, ça a le droit de les ouvrir uniquement sur tel domaine. Où tu as le droit de les ouvrir uniquement sur du truc en HTTPS. Les images, tu as le droit de charger des images qu'en HTTPS, etc. Que des images provenant de tel autre domaine, ou que des images provenant de ce domaine-là, etc., etc. Tout ça pour vraiment avoir ce côté... Je ne vais pas utiliser ce terme, il faut évoluer, surtout par rapport à ce qui se passe aux États-Unis à ce moment. Merde, c'est quoi l'alternative à ce mot ? C'est quoi l'alternative à whitelist ? Qui n'a pas la connotation white, tu vois ? C'est quoi déjà ? Merde. Je l'ai plus. Si quelqu'un peut m'aider, ça m'arrangerait. Je cherche aussi. Qui permet de contrôler, voilà, pour avoir plus un côté permission, autoriser finement les choses au cas par cas, qu'autoriser tout en global et bloquer. C'est plus ça, c'est plus j'autorise au cas par cas, et je bloque tout le reste, plutôt que l'inverse. J'autorise tout et je bloque. Voilà. Donc voilà, plein de directives différentes. Au début, j'ai essayé de les résoudre manuellement par rapport à ce que... Il est où ? Il est là. Par rapport à ce que Mozilla a donné, parce qu'en plus, du coup, le Content Security Policy, il y a du détail derrière. Load list, ouais, ça c'est en anglais. Liste autorisée, ouais, t'as raison. Donc il y avait quelques trucs qui n'allaient pas, notamment le frame ancestors. Par défaut, Mozilla recommande de mettre tout bloqué et vraiment de faire des listes autorisées. Voilà, merci Pierre. De bloquer pareil les iframes pour être sûr que ce soit que le site qui a le droit de s'ouvrir en iframe dessus. Bref, que des trucs. Donc je les ai suivis les unes après les autres pour bloquer petit à petit, tout en veillant à ce que mon site continue à fonctionner quand même. Et donc voilà l'explication. Donc par exemple, Connect SRC, il faut l'autoriser à minima à self, parce que lorsqu'on est connecté en tant qu'administrateur, Contextual Links, qui permet d'avoir, vous savez, le petit crayon pour éditer rapidement les choses, ben sinon il ne marchait pas, de la même chose que le module Quick Edit. Form Action, ça fait partie des trucs qui restent ici. Il avait dit de le mettre à self ou autre. Alors, je ne sais pas si c'est ma stack Docker pour tester un local qui avait un problème, mais grosso modo, quand j'avais cette directive-là dans mon header, lorsque je soumettais un formulaire, il se passait rien, il n'y avait pas de rechargement de la page. Dans la console navigateur, c'était indiqué que il y a une directive du navigateur qui bloque la soumission. Et pourtant, lorsque je rafraîchissais la page, j'avais le message « Votre configuration a bien été enregistrée », et puis « Ma configuration était bien enregistrée ». Donc je me dis « Il y a vraiment un problème ». Donc ce truc-là, je l'ai laissé tomber, ça va, il ne faut pas non plus se prendre la tête inutilement, on va dire.
Et après, il y avait d'autres trucs. Le image SRC, je suis obligé d'autoriser data parce que, par exemple, sur mon site, j'utilise une librairie qui s'appelle Blazy, qui permet d'avoir... Bon, là, on ne le voit pas. Si je fais contrôle majeur, peut-être. Voilà, un petit... Je ne sais pas si ça se voit en plus avec... Merde, avec l'écran, pardon. Oui, on a vu. Je sais pas si, voilà, le petit carré voilà, qui se charge pour avoir du lazy loading des images. Mais du coup, ce petit carré, ce petit pixel qui tourne, là, c'est un GIF mis sous forme de data directement dans la balise IMG, ce qui fait qu'il faut autoriser explicitement ça, sinon ben, l'image ne marche pas. Quoi. Script SRC, ben, voilà, quand on est connecté en administrateur, il faut pouvoir autoriser CK Editor. Sinon, là, dans les commandes, là, en anonyme, j'ai le droit qu'à ça, mais sinon, en tant qu'administrateur, ben, ça ne marcherait pas. Pareil, pour moi, j'utilise Matomo pour, à la place de Google Analytics, mais du coup, Matomo qui a un petit script ici en début de HTML, de page. Ben, du coup, s'il n'y a pas ça, si vous n'autorisez pas de manière explicite le unsafe inline, eh ben, ça, ça dégage, quoi. Le navigateur, même pas, il le voit. Voilà, il y a plein de trucs et le style SRC, c'est parce qu'en tant qu'admin, il y avait un truc avec Modernizer qui marchait pas et pareil, sinon CK Editor marchait pas non plus. Donc au début, j'ai mis ça, je fais OK, c'est, je suis content, j'ai ma. Mais quand même, il y avait une petite frustration qui est que ben CK Editor, Modernizer, Quick Edit, Contextual Links, tout ça, ce sont des fonctionnalités qui ne sont présentes que pour l'utilisateur, enfin. En tout cas, sur mon site, uniquement l'administrateur. Du coup, je me dis, c'est dommage pour les visiteurs qui ne sont pas administrateurs, qui sont restent qu'anonymes. Il faut théoriquement pouvoir optimiser la sécurité en garantissant que ce qui est à être autorisé. Quoi. Donc ça, je vais le voir dans un second temps. Du coup, j'ai fait un second round sur le problème. Quoi. Je suis revenu à la charge. Et au passage, donc, je précise qu'également, alors, je ne sais pas s'il y a des fans de l'offuscation, la sécurité par l'offuscation, mais voilà, masquer la version PHP. Bon, le truc, il sait que c'est du PHP parce que forcément, il est détecté Drupal. J'ai laissé le header qui dit X générateur, enfin, générateur Drupal 8. Voilà, un petit peu de fierté quand même. Signature Apache, pareil, à off. Comme ça, voilà, il ne voit pas que c'est un Apache. Il voit toujours que c'est un varnish. Je ne sais pas comment. Mais sinon, au niveau de varnish, il n'y a rien. Ah oui, normalement, c'est le via. Varnish rajoute un via et ça dégage. Sinon, il y a serveur aussi, c'est... je ne sais plus si c'est pour varnish ou si c'est pour Apache, pour être sûr que Apache ne foute rien ou pour que Nginx ne foute rien. Serveur tokens à off, bref, tout ça à off. Comme ça, il voit l'interrogement, il ne voit même pas qu'il y a un Nginx devant. Donc ça, au début, j'étais content, je fais ça, bon, bref. Puis potentiellement, je me dis, bah, pour Matomo, il faudrait peut-être faire ci, ou bien pour CK Editor, il faudrait faire cela pour améliorer. Et puis après, bam, donc je tweet pour dire, hey, il y a un article. Et puis là, il y a Philippe qui me retweet et il dit, hey, est-ce que tu connais le module Content Security Policy? Ben non. Mais en fait, c'est un module qui s'occupe de générer automatiquement ce header. Et l'intérêt du module, ben, c'est qu'il est généré par l'applicatif. Et après, je me dis, au début, j'étais vraiment concentré sur une solution, on va dire, purement configuration serveur. Puis je me dis, ben non, en fait, c'est pas con que ce soit l'applicatif qui gère ce header, puisque ben, c'est l'applicatif qui sait s'il est en face d'un utilisateur connecté, s'il est en face d'un utilisateur anonyme, s'il a besoin d'avoir telle fonctionnalité ou pas telle fonctionnalité. Et donc, le module gère automatiquement ce fait que, ben, il y a CK Editor sur la page, ben, il va vous autoriser automatiquement script SRC, style SRC, voilà, que des trucs comme ça parce que ben, au moins c'est géré côté événementiel, ça peut être géré automatiquement. De plus, ça m'a permis de voir que quand on paramètre le module en back-office, par exemple, ça m'a permis de voir que dans ma configuration ici, que j'avais mis directement sur mon serveur, que le HTTPS, je l'ai mal écrit parce que là j'ai mis HTTPS comme ça et en fait non, il faut mettre HTTPS 2 points, chose que du coup le module, quand vous enregistrez la configuration en back office, il vérifie. Je me suis dit, je switch là-dessus. Allez, je pensais avoir clos le sujet, pouvoir passer à autre chose. Je me suis dit, non, c'est pas
fait jusqu'au bout comme ça me plairait. Donc, je retourne à la charge sur le sujet. Et c'est parti. Donc là, j'utilise le module. Et puis, je me dis, ben voilà, pour Blazy et puis pour Matomo, ben, j'ai envoyé des patchs, quoi. Alors, là-dessus, il est où? Ici. Parce que le mec qui, le mainteneur du module Content Security Policy, il avait déjà fait des compatibilités avec d'autres modules qu'il gère lui-même, et puis bah, du coup j'ai participé en faisant des patchs pour Matomo et pour Blazy. Bon, bah, là j'attends les retours. Le mainteneur de Blazy a déjà fait quelques retours. Bon, il est un peu occupé avec d'autres choses, ça viendra. Le mec de pour Matomo, lui il n'a pas encore réagi, mais bon voilà. Donc le truc très sympa. Content Security Policy, du coup, bah, à la place, j'ai enlevé les directives dans ma configuration serveur et j'utilise ce module-là, ce qui m'a permis de passer sur de valider plus de choses. Mais malheureusement, on voit qu'en anonyme, il y a toujours le script SRC qui ne passe pas parce que, parce que Blazy nécessite que, bah, il y a besoin de. Ou non, pardon, Matomo. A besoin de script SRC, toujours pour ce petit bout de JavaScript inline qui est en début de page. Voilà. Aussi, un autre module que j'ai testé, c'est SecurityKit. Au début, je me suis dit, putain, il y a encore mieux, il y a SecurityKit, alors que Content Security Policy n'a que 11 000 sites qui s'en servent, c'est déjà pas mal. SecurityKit, lui, il en a 48 000. Bon, il a une version de Drupal 7, mais si on regarde dans le détail, il y a quand même 23 000 sites, donc deux fois plus que l'autre, qui s'en servent en Drupal 8. Mais SecurityKit, j'ai moyennement aimé parce qu'il bah, cherchait vraiment à faire plein de choses, c'est-à-dire que potentiellement, ce qu'on a vu également avant de X Content Type Option, X HTTP Strict Transport Policy, etc., bah, SecurityKit veut le faire aussi. Voilà, si jamais les configurations serveurs ça vous branche pas, que vous avez envie de gérer tout en côté applicatif, ben SecurityKit peut être pas mal. Mais pour le content type Content Security Policy Header, ben le module Content Security Policy est mieux. J'ai trouvé car un peu plus moderne et plus extensible, et surtout il permet d'exposer un event pour justement se brancher dessus et altérer comme il faut la chose. Alors que SecurityKit, j'ai pas vu d'event. Donc c'est comme ça. En même temps, Content Security Policy, il est vraiment concentré, il se focus vraiment sur un point précis, et forcément, c'est plus pratique pour évoluer et avoir un module plus léger. Voilà mon retour d'expérience. Et également, dernier point, pardon, après j'arrête de parler. Qu'il y avait, parce que le mec de Content Security Policy est vachement sympa, je lui ai posé des questions, je comprends pas, sur mon site j'ai mis ça comme configuration, pourquoi ça passe pas encore, franchement une perle, il m'a aidé et tout, et il m'a montré également qu'il y avait l'équivalent de Mozilla mais pour Google qui s'appelle CSP Evaluator, que d'ailleurs quand on va voir dans la documentation de Mozilla, et ben en si also ils en font mention également, donc je me suis dit, bon, ben, ok, pourquoi pas. Et ce qui était pas mal, c'est que l'évaluateur côté Google, ben, il redétaille également ce qui ne va et ce qui ne va pas. D'ailleurs, on peut voir que, par exemple, Mozilla, lui, le form action, machin, ça lui pose problème, alors que côté Google, le form action, il s'en fout. Donc voilà, après, c'est que des évaluateurs. Des trucs qui disent, ben, on vous conseille de faire ci, on vous conseille de faire ça, après vous faites ce que vous voulez. Et voilà, après je trouvais bien dans l'évaluateur côté Google qu'il redétaille bien chaque truc. Voilà, la présentation était pas mal aussi. Voici mon retour d'expérience. J'avais pas prévu de me faire ça parce que j'étais sur un chantier perso de GitLab CI que j'ai bien entamé mais pas pu progresser depuis. Mais au moins c'est réglé, et puis au passage je me suis réglé plein d'autres petits soucis à droite à gauche avec les mises à jour de Blazy ou autre, bref, je m'amuse, youpi. Et c'est là que je vais voir vos têtes, et je sais pas si je vous ai perdu complètement. Merci Inès. Avez-vous des questions? Je suis tout oui. Moi j'ai une remarque. Oui. Je découvre Content Security Policy, ça a l'air très très cool. Je ne sais pas le module. Moi non plus, je ne connaissais pas il y a deux semaines. Je suis en train de voir le code source et j'ai vu le moment où
vérifier la présence de fake editor, de cookie edit, ouais. Et tout ça. Ouais. Et c'est vraiment dommage que l'auteur de module en soit réduit à ça. C'est quelque chose qu'on devrait, devoir, qu'on devrait pouvoir mettre directement dans les librairies. Quand on dans le point librairie, ouais. Ah ouais. C'est, ça serait l'emplacement naturel de ce genre d'information. Et oui. Et peut-être que c'est une issue à créer côté Drupalcore. Peut-être. D'ailleurs, peut-être qu'elle existe. J'ai même pas cherché. J'étais, enfin, si tu veux, je voulais régler le sujet et tout ça, mais en fait, déjà, j'étais content de pouvoir régler le sujet de manière plus finement que juste mettre une directive globale côté serveur et que bah, je fasse pas de distinction entre administrateur et utilisateur anonyme. Donc, j'étais content du module. Mais en effet, pour pousser plus loin le truc, il faudrait, je pense, c'est toujours intéressant de mettre ça dans le noyau. Après, personnellement, j'étais sur tellement d'autres sujets, puis j'avais d'autres des bugs lors des mises à jour de Blazy ou autre à gérer ou quoi. J'étais un peu sous l'eau. J'avais envie de traiter le sujet, de remodifier, mettre à jour mon article, et puis après, basta, quoi. Voilà. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Pierre. Surtout que après, selon le module, c'est compliqué, quoi, de détecter s'il est présent ou pas. Voilà. Ou alors, il faut maintenir une liste immense. Une liste immense d'équivalents. Ouais. Après, il est possible de faire quand même quelque chose de générique côté serveur. Ce que je faisais sur Drupal 7, sur du multisite. Et ça marchait jusqu'au moment où on a installé un module bloc Twitter, mais on ne l'a pas affiché. Comment ça se fait? Et puis une frame. J'ai un peu trop sécurisé mon serveur et je n'ai autorisé que par domaine. Je te rajoute le domaine twit.img. Ouais. Et du coup, après, ça me fait. Pardon, fini, parce que tu as fini, Inès. Après, du coup, ta remarque me fait penser à une remarque. Vas-y. Ah, je sais plus ce que je veux dire. Oui, en gros, le module est intéressant. Après, à voir selon les cas, en fait. Parce que moi, quand j'étais sur Drupal 7, j'étais en mode multisite avec une centaine de sites. Et bon, à l'époque, il n'y avait même pas les configurations, donc ce n'était pas forcément évident. Et donc, faire au moins peut-être une config générique, peut-être sur le serveur. Enfin, après, c'est à vous de voir. Donc, merci Inès. Et ma remarque, ça a été que du coup, j'ai. Enfin, deux remarques en fait, que du coup, j'ai finalement, par rapport aux autres headers, ça passe, mais par contre, le header Content Security Policy, j'ai abandonné l'idée de mettre en place une config par défaut dans mon template de projet Drupal. Mais par contre, j'ai indiqué, maintenant, j'utilise telle configuration. Après, à vous d'adapter pour vous. Et également. Le second point, c'est que du coup, si on parle en termes de projet, pour moi, je pense que c'est vraiment un truc à mettre en place dès le début pour se rendre compte de ce qu'il faut autoriser au fur et à mesure. Quoi. Parce que si tu arrives en fin de projet qu'on te dit « Hey, il faut le mettre », tu es là, tu te dis « Oh putain, il suffit qu'il y ait une page perdue au fin fond de ton site qui utilise un JS en plus ou un truc en plus ou quoi et que tu as complètement zappé pour avoir une régression. » J'ai plus soin. Quelqu'un s'il doit faire des remarques, questions? Du coup, j'ai une question. C'est facile d'activer, désactiver le module pour justement, si on l'active au début du développement, tu vois qu'il y a un truc qui foire, tu veux savoir si c'est le module CSP en fait qui te bloque. Oui, ça va, il a son petit fichier settings à lui tranquille, il dépend de rien d'autre, tu le désactives, active et puis basta, quoi. C'est pas un souci. Et d'ailleurs, tu peux, enfin là, dans sa configuration, je l'ai pas. Ah, mais si, mais je suis con, vu qu'il est dans ma. Normalement, attends, deux secondes, vu qu'il est dans ma stack, normalement, je devrais l'avoir là. People, setting, non, je l'ai pas, attends deux secondes. Est-ce que je l'ai quelque part ici pour montrer un peu le back-office rapidement? Drushen, CSP. Je l'ai pas. Other require. Alors, d'autres questions, le temps que ça arrive. Parce qu'après, c'est pas parce que tu as le module CSP que tu es obligé d'avoir un paramétrage ultra restrictif. C'est-à-dire, il te permet d'avoir dans le back-office de paramétrer le truc pour avoir la main sur ce header, mais
tu peux mettre tout autorisé, machin, et puis il va rien te dire après le truc, normalement. Allez, télécharge. Hop. Ouais, mais quand tu développes, des fois, t'es sur le front, t'as un truc JS qui foire, et tu cherches très profondément. Tu peux oublier que t'as ce truc-là qui est activé et qui peut éventuellement... De toute façon, quand tu fais un F12, donc quand tu fais le développement, c'est écrit en gros. Oui, tu vas avoir un gros truc. Oui. C'est ce que j'allais faire la même remarque, c'est qu'en fait, là, tu le vois assez vite parce que la console te dit il y a eu un script, il y a eu un CSS, il y a eu un script, il y a eu un style, il y a eu un machin qui a été bloqué en raison d'un header ou en raison d'une configuration. Je ne sais plus si le terme c'est configuration serveur ou configuration de navigateur ou un truc comme ça, bref. Il te le précise le truc quand même. Ouais. Ben là, normalement, si je vais faire mes mus avec, normalement, je vais essayer de tout bloquer, le JS ou quoi, donc la toolbar, machin, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Et on va voir ce que ça écrit côté console. Allez, télécharge, s'il te plaît, petit. Dépêche-toi. D'autres questions ? Tout le monde migre sur Drupal 9. Pour ça que c'est lent. Tout le monde ne veut pas attendre. Allez. Et du coup, demain, il y a un, avant que tout le monde parte, il y a un Drupal apéro, c'est ça ? Oui, il y a... Oui, ça a été tweeté aujourd'hui, mais ouais. C'est prévu. Ça, c'est en ligne ou... Cool. Comment ? C'est en ligne, le Drupal apéro ? Ah non, c'est sur Meet. Ah, ok. En ligne. Oui, oui. Oui, en ligne sur Meet. D'accord. Voilà. Okay. Et je ne sais pas si c'était sur Twitter, mais on a fait une communication aujourd'hui, là-dessus. Et on en fera une deuxième demain avec le lien du Meet. Il est là. C'est lui. En général. Ouais, c'est ici. C'est ce tweet-là. Il y en aura un demain. Oui. Tintin. Ok. Ah ouais, ok. Si on a des questions, ok. Ouais, je veux bien le lien du Meet si vous l'avez déjà. Ça sera communiqué demain. Oui. Ok. Alors, ça là. Il a fini. Allez. Mais j'ai pas la fibre. J'ai 56K. En download, je suis à 56K. Oui, non, mais on le voit. Kilo-octet. Alors, prochain NCSP. Allez, vas-y. Vas-y, hop là, enabled. Il est là, F5. Bam, déjà. The Content Security Policy, blabla, script SRC, self, web, unsafe inline, machin, bidule. Ah oui, was delivered in report only mode. Oui, alors ça, pareil, j'ai découvert ça en activant le module CSP. C'est que du coup, tu as un mode report pour te dire, ben, si j'applique les directives, je devrais te bloquer ça, je pense. Et tu as même possibilité de paramétrer une URL de report pour que ce soit logué. Bon, après, pour l'instant, je désactive parce que j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Ça n'avait pas l'air de fonctionner, en tout cas, dans mes tests. Mais pas trop vite sur le scroll et tout. Ça saccade un peu. Pardon, ok, ça marche. Donc, si je désactive le report et que je n'utilise que le enforce, c'est-à-dire qu'uniquement la partie qui va vraiment être effective, donc il met le framework C-Stores. Donc là, je mets none, le reporting. Et admettons que script SRC auto. Ah ok, c'est auto. Auto source. Oh, petite amélioration depuis le passage à la 1.12, plus de power à la 1.11. C'est que du coup, automatiquement, le module t'indique qu'il va essayer de faire ça. Waouh, c'est sympa. Bref. Donc là, on va dire que j'utilise self et c'est tout. Ou bien non. Je dis net. None pour script SRC. On va voir si c'est bien ça. On va voir si j'ai compris. F5.
Eh ben oui. Ben oui. Bah, oui. J'ai plus de JS, donc ça veut dire que sur la gauche, j'ai plus la colonne de gauche qui se fait bien comme il faut. Tu vois ? Donc là, ça a refusé le chargement de script, car ça violait le Following Content Security Policy Directive, Script SRC Web, Unsafe Inline, et c'est tout. C'est tout, bref. Not bad, script SRC, bref. Donc là, tu vois que c'est bloqué. Alors du coup, je vais réautoriser... Pardon, plus lentement le scroll. Tac, 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 tac. Par contre, attends, il y a un truc que j'ai pas compris. J'ai mis NA. Web Unsafe Inline. Pourtant, il devrait y avoir un none quelque part. Bon. Self. Et là, si je renregistre. Pardon, désolé pour le scroll. Ben là, self, ça remarche. J'ai le JS et tout ça. Du coup, tu vois, Cédric, par rapport à ta question, ben, à chaque fois que tu vas avoir une directive qui matche pas et que le navigateur, théoriquement, il voudrait télécharger un truc, ben, tu auras toujours un message dans le navigateur pour te dire, ben, ah, il y a la directive Content Security Policy, et même cette partie-là qui m'empêche de te télécharger ce que tu veux me faire télécharger. Ok. Voilà. Super. Très belle démo. Cool. Merci. Oui. Avez-vous d'autres questions ou remarques ? Pas plus que ça. Après, le but de la présentation, c'est pas de faire un tour de tout ce qui est header de sécurité. Je suis très loin d'être un expert là-dedans. Juste, je partage ce que j'ai découvert récemment. Voilà. Disclaimer, que je me prenne pas un problème. Voilà. Non mais parfait, c'était très bien. Ben, expert. Ça plu, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Merci Florent, merci à tous.